Chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Chloé et moi-même, nous avons le plaisir de commencer le sabbat avec vous. Nous allons courber le front pour un mot de prière. Notre Père qui es aux cieux, nous te remercions pour la semaine que tu nous as donnée et nous te remercions pour ces moments que tu nous accordes pour pouvoir louer ton Saint. Que tu puisses nous éclairer par ton Esprit Saint, que tu puisses nous aider afin que ces paroles, ces chants que nous allons faire monter vers toi soient rien que pour ta gloire. Écoute notre prière, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à suivre avec moi dans le psaume 145, les versets 1 à 13. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable. Et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté. Et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous. Et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. Louez l'Éternel. Amen. Nous allons passer un moment de la louange. Je vous invite à chanter avec moi le cantique « Si vous saviez ». Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon sauveur vous aime à chercher. Mon sauveur vous aime à chercher en vous.
tu veux le recevoir. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu rappeler la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Bon, ben, frère, bon, ben, camarade. Dans un moment qui nous fait passer avec confinement, une affaire qui nous vivons ensemble, c'est de passer un bon moment avec nos familles. Mais malgré que nous sommes avec nos familles, nous remarquons que c'était un moment difficile, un moment que nous ne pas se faire connaître, qui peut arriver. Celle qui chose qui nous sied et certain, c'est que Jésus dit tout seul, c'est ma vérité. Donc, prochain soir qui nous a l'habitude de prendre, Jésus ou même, ça c'est même. Sans où la grâce abandonnée.
Chers frères et sœurs de Rodrigue et de Maurice, bonsoir et bon sabbat. Je voudrais ce soir vous présenter un foyer heureux où Jésus aimait s'y rendre. Pourquoi Jésus aimait-il ce foyer? C'était le seul havre de paix contre la méchanceté, les colibés, les moqueries et la compréhension des hommes de son temps, surtout des chefs religieux. Là, dans ce village, dans cette maison, dans ce foyer, Jésus va rencontrer deux sœurs. Deux sœurs très différentes. Marthe, la ménagère affairée, toujours au travail. Elle rencontre Jésus à la porte. Elle le salue, puis elle se précipite aussitôt dans la cuisine. Et c'est un va-et-vient de la cuisine à la chambre avec les friandises qu'elle a préparées. Ensuite, elle se fâche. Elle se plaint de ce que sa sœur ne l'aide pas. Elle a à faire tout le travail. Vous n'avez qu'à ouvrir dans Luc chapitre 10, verset 40, vous verrez cela. Mais que fait Marie pendant ce temps? Où se trouve-t-elle? Elle est assise aux pieds du Seigneur. Elle boit ses paroles, tandis que Marthe fait le service. Marie, cependant, n'est pas paresseuse. Elle n'est pas assise devant la TV, en écoutant les disques préférés à la radio. Mais non, elle est à l'écoute de Jésus. Elle sait que c'est la chose la plus importante, la chose essentielle. Et le reproche adressé à Marthe est précisément un reproche qui lui est fait parce qu'elle s'est laissée distraire. Elle n'a pas pris le temps d'écouter le Christ. Mes amis, vous pouvez tellement être pris, tellement occupé dans le tourbillon de la vie, que vous n'avez pas le temps d'écouter les paroles de Jésus. Aucune œuvre chrétienne n'est aussi importante que celle-ci. Dans sa vie quotidienne, bien remplie d'ailleurs, Jésus a trouvé le temps de se mettre à l'écoute de la voix de Dieu. Vous vous rappelez comment il a prié toute une nuit sur la montagne. Cela me rappelle l'histoire de deux hommes dans une rue très passante, dominée par le bruit des véhicules. À l'étonnement de l'un d'entre eux, l'autre découvrit un petit grillon sur une pierre, sous une pierre. Personne ne l'avait entendu, mais les oreilles de cet homme ont capté le cri du grillon. Comment cela? Parce qu'il était un zoologiste. Aussi, notre oreille doit être habituée à écouter, à entendre la voix de Dieu, la voix de Jésus. Nous devons aussi apprendre à transformer la banalité. Pensons un peu aux paroles et conversations banales que nous avons parfois. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, une personne a écrit ces lignes. Je vis sous les grands arbres. J'élève mes enfants. J'entretiens mon jardin au rythme de mes chères cloches de cantonnerie, alors que le monde saigne et maudit. Tout ce que je puis encore faire dans cette situation, c'est coudre quelques vêtements
et mettre de côté un peu de blé. Aussi mon âme est-elle assise dans les cendres, ressassant sa peine, inconsolable, honteuse. Voyez-vous, cette femme avait le profond désir de jouir dans la vie, de jouer dans la vie plutôt, un rôle beaucoup plus important, d'assumer une tâche de grande importance et qui peut être reconnue par tous. Beaucoup d'entre nous se trouvent dans une situation assez proche de la sienne. Nous prenons souvent des décisions importantes dans le tourbillon de l'activité quotidienne, alors qu'elles apportent en fin de compte qu'elles affectent en fin de compte notre destinée éternelle. La Bible nous apprend comment les gens prennent des décisions qui conduisent soit à la vie, soit à la mort. Chaque situation dans laquelle nous nous trouvons est l'occasion de développer notre caractère en fonction de la vérité ou de l'erreur. L'espérance de l'Église et la cause de Dieu dépendent de la fidélité des membres en ce qui concerne les questions les plus ordinaires de la vie quotidienne. Il nous faut donner la première place au caractère et non à la réputation. Je répète cela, c'est important. Il nous faut donner la première place au caractère et non à la réputation. Comment donner de l'éclat à la banalité? Plaçons l'excellence morale avant le succès financier. Sacrifions l'argent au profit du caractère. Préférons être des gens influents? Non, préférons plutôt à renoncer à l'arrivisme. Nous devons remercier Dieu pour la petite place qui nous permet d'être fidèles à Dieu, fidèles aux uns et aux autres. C'est pour affermir la valeur de notre caractère que nous sommes placés dans telle ou telle situation. Les couronnes du ciel, mes amis, ne sont pas réservées aux grands héros qui s'illustrent dans des entreprises exceptionnelles. Comment Marie a-t-elle transformé la banalité? D'abord, en attendant au pied du maître, du prophète, pour écouter ses paroles. Vous verrez cela dans Luc 10, verset 39. Deuxièmement, pleurant au pied du maître pour recevoir sa sympathie. Vous n'avez qu'à lire Jean 11, verset 32. Troisièmement, adorant au pied de Jésus, Jésus roi, pour l'oindre pour le jour de sa sépulture. C'est dans Jean, chapitre 12, verset 3. Priez, mes amis, pour qu'au milieu de cette vie tumultueuse, vous puissiez entendre la voix de Jésus. Une seule chose est nécessaire, dira Jésus. Une seule chose. Et c'est ce que Jésus va dire au jeune homme riche. Une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Nous avons d'autres leçons que nous pouvons dégager de cette histoire. Marthe et Marie représentent les membres de l'Église. Nous ne devons pas nous contenter
cependant d'être Marie. Nous devons aussi être des Martes. Oui, parce qu'il faut qu'il y ait une relation parfaite entre l'esprit, l'âme et le corps, entre les moments d'étude, de travail, de loisirs, de prière et d'activité. Non, Marthe n'est pas une femme à mettre de côté. Nous devons suivre l'exemple de Marthe aussi. Mais attention, ne pas toujours nous laisser embarrasser par les choses de cette vie. Marthe et Marie, voilà en somme ce que chaque membre d'Église, de notre Église, doit être, c'est-à-dire avoir un équilibre parfait entre le psychique et le physique, entre le spirituel et le matériel. Mes amis, puissions-nous aujourd'hui commencer à entretenir une relation étroite avec Jésus, mais aussi à le servir comme Marthe l'a fait. Amen. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te demandons de faire de nous des Marthe et des Marie. Il est vrai que tu as préféré l'attitude de Marie. Pourquoi? Parce que Marthe s'inquiétait, s'agitait. Mais Seigneur, nous devrions être assises à tes pieds pour écouter ta voix, mais aussi être capables d'activer les choses et ainsi ne pas nous asseoir seulement, ne pas écouter seulement, mais faire ta volonté en faisant comme Marthe, en faisant ce qui est bien et en servant Jésus-Christ, notre divin sauveur. Père, fais-nous du bien pendant cette nuit de sabbat et prépare notre lendemain. Nous te le demandons, Jésus, notre divin sauveur. Amen.